Bonjour à vous tous. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 7 de la série d'électrisation. On donne la valeur de la charge élémentaire E égale à 1,6, 10 moins 19 coulombs. Dans les expériences suivantes, A et C. Donc A et C sont deux règles en plastique. B est un tissu. Donc voici B. Et petit b, c'est une boule d'un pendule électrostatique. Voici la boule B. A, B et C sont initialement neutres, alors que B est initialement chargé positivement. Donc ici, on a B chargé positivement. Résultat des expériences, dont la première expérience A et B deviennent électrisées et portent respectivement les charges QA et QB, avec QA égale à moins 6,4 fois 10 moins 19 coulombs. Dont la deuxième expérience, donc voici la deuxième expérience, C devient électrisée et porte la charge QC. Dont la troisième expérience, il y a attraction entre C et B. Ici, il y a attraction, alors la règle C est chargé négativement. Donnez la définition du phénomène d'électrisation. Le phénomène d'électrisation est dû à un transfert d'électrons d'un corps à un autre. La question 2, préciser le mode d'électrisation dont la première et la deuxième expérience. Dont la première expérience, c'est une électrisation par frottement, et dont la deuxième électrisation, c'est une électrisation par contact. Précisez le signe de chacune des charges QB et QC. Justifiez ta réponse. Alors, ici le corps B, on sait que le corps A a une charge égale à moins 6,4, 10 moins 19 coulombs, alors QA inférieur à 0. QA inférieur à 0, donc le corps A porte une charge négative, puisqu'il s'effectue une électrisation par contact entre A et C, alors C a le même signe que A, alors C a un signe négatif. Et on sait déjà, d'après l'expérience 3, C est un corps qui est chargé négativement. Et dans l'expérience 1, A est frotté avec B, puisque A est chargé négativement, alors B sera chargé positivement. Précisez la nature de l'électricité qui apparaît sur la règle A. Justifiez la réponse. QA égale à moins 6,4, 10 moins 19 coulombs. Inférieur à 0. Alors, la règle A porte une électricité négative. Question 5. Donnez la définition de la charge électrique. La quantité d'électricité ou la charge Q est une grandeur mesurable. Elle s'exprime en coulombes de symbole C. C'est un multiple de charge élémentaire avec Q égale à N fois E. Calculez N, le nombre de la charge électrique élémentaire formant la charge QA. Alors Q en valeur absolue égale à N fois E. Donc le corps A est un corps chargé négativement. Alors Q, si j'enlève la valeur absolue, sera égal à moins N fois E. Alors N égale à Q sur moins E.
Donc moins 6,4. Fois 10 moins 19. Sur moins 1,6 fois 10 moins 19. Alors je simplifie les moins et les 10 moins 19. Je divise 6,4 par 1,6, je trouve n égale 4 électrons. S'agit-il d'une interaction attractive ou répulsive entre B et C? Justifiez la réponse. C'est une attraction car B et C s'attirent. Ce sont deux corps chargés de signes contraires. Puisque C a un signe négatif, alors B a un signe positif. Quel est le rôle du pendule électrique? Le pendule électrique est un instrument détecteur du phénomène d'électrisation. Citez un autre instrument de laboratoire qui joue le même rôle que le pendule électrique, l'électroscope. Comme ça, on a terminé la vidéo. Je vous donne un rendez-vous pour une prochaine vidéo.